Salut à toi qui regarde cette vidéo, c'est Pligis d'XboxLive.fr. Aujourd'hui, je vais te montrer un petit peu le contenu qui sera présent dans Sea of Thieves le 20 mars prochain sur Xbox One et Windows 10. Alors, la cosmétique sera au cœur de ce contenu avec des millions de possibilités de customisation de son personnage. Donc, on pourra choisir le sexe, la couleur, borne ou pas borne, avec une jambe de bois ou non, un crochet, etc. etc. Il y a vraiment un foison de cosmétiques, et ça c'est vraiment la force de Sea of Thieves. Du coup, on aura très peu de possibilités d'avoir le même perso que son copain, et ça c'est vraiment génial. Dans la vidéo que Rare a diffusée, on voit aussi les raids des avant-postes squelettiques avec notamment les chefs, enfin les capitaines squelettes qui, une fois tués, donneront un crâne spécifique qu'il faudra aller vendre après sur l'île des pirates, et ce qui rapportera en fonction différents items. Comme vous pouvez le voir, il n'y aura pas que de l'or à revendre et à chercher sur les îles, mais il y aura aussi une marchandise un peu spéciale qui seront tout simplement des animaux. Donc on aura des cochons, des serpents, des poules à récupérer et à revendre. Donc il va falloir les transporter dans nos soutes, et ça va pas être le... enfin dans notre cale plutôt, ce sera pas forcément le plus simple parce que ce seront des animaux vivants, et forcément, bah, si ça prend long, ça se noie. Et donc, il faudra faire attention à ce que la cale ne se remplisse pas d'eau en se faisant attaquer ou en percutant tout simplement des roches. Donc là, ça va être le petit côté un peu amusant de Sea of Thieves. Merci à toi d'avoir regardé cette courte vidéo qui t'aura permis peut-être d'en apprendre un peu plus sur le contenu futur de Sea of Thieves. Si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à aller sur xboxlive.fr où tu retrouveras la news de Venhunter qui détaille un peu plus le contenu. Je te dis à très bientôt.